Salut Tibol, c'est mes affaires, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego et aujourd'hui on va regarder mes derniers hauls depuis la dernière vidéo haul. Donc encore une fois dans le décor, c'est incessamment sous peu, je crois que c'est la prochaine vidéo mock où je vous montrerai mon décor. Mais donc on passe au haul. La dernière fois dans la dernière vidéo haul, c'était arrêté à ce haul là que j'avais fait à mon Maxi Toys. Et là, on passe à un haul de Noël. Donc, ce haul de Noël a deux boîtes que l'on ne voit pas ici. Enfin, surtout là, l'autre. C'est la bataille des robots de Spider-Man contre Dr. Octopus. La bataille du conflit contre conflit à Tatooine, pardon. Et 5 sachets de minifigurines à collectionner Lego Marvel Studios. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez la review sur la chaîne de la série complète. Ce set-là est déjà monté, vous aurez la review incessamment sous peu aussi. Et celui-là attendra Noël. Deux sachets Marvel Studio, encore une complétude. Ça, c'est un haul que j'ai fait à Carrefour pour Noël. Je me suis acheté le set Spider-Man No Way Home, ici présent. Évidemment, le caméraman de l'extrême fait tout sauf ce qu'il faut. Le robot de feu et de pierre Ninjago sur la saison 13 de la série. Et une petite plaque verte pour le feu. Deux sachets de minifigurines à collectionner que j'ai trouvé à mon Auchan, un Harry Potter, l'autre série 20. Les deux étaient à moins 30% en voie plastique. C'est normal. Et mon dernier haul, le robot de Spider-Man à droite et le robot encyclopédie Ninjago des personnages améliorés, mis à jour augmentés, Ninjago 2021 avec la figurine exclusive qui est Nia du futur dans la saison 5 de Ninjago dans les reflets, voilà, des épreuves du premier maître du Spinjitzu. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est le dernier haul et donc vu que c'est le dernier haul, on va finir sur le décor. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et peut-être que je vais vous jouer un petit morceau de musique. Allez, bye bye.